Waouh, Eve va carrément renverser la nourriture ainsi que la sauce sur le visage du gars. Nangs Reborn. Bonjour Fraser et bienvenue sur Nangs Reborn. Que seriez-vous si un jour vous rencontrez votre ex et qu'elle sème le trouble entre vous et votre nouvelle fiancée? Ça, c'est hors du commun. Et c'est ce que nous allons voir ici. Ça risque vraiment de vous étonner. Soyez prêts. Allons au studio pour voir ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, c'est pas de la blague, c'est pas de la fripe, c'est bien réel. Et tout se passe ici, juste là, devant vous. Un truc hors du commun. Comme vous pouvez le voir, il y a un problème. En fait, il y a eu problème ici. Le monsieur marchait tranquillement avec sa camarade lorsque il a rencontré cette fille-là. Cette fille, grand détail qui se trouve juste là devant lui. Et elle a décidé de créer, de créer le trouble avec un scandale, quoi. Et le gars, il essaie de la calmer et tout, mais elle refuse. Et les gens ont pris la caméra pour filmer ça. Asseyez-vous bien. Les gens ont pris la caméra pour filmer tout ça. Et moi, ça m'a tellement choqué que je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse cette vidéo pour vous montrer quelque chose. La différence entre une femme et une femme. Qu'est-ce qui peut réellement pousser les gens à aller voir dehors? Parce que il y a beaucoup de femmes ici qui sont là qui disent que ah, la fille à la maison est jolie, mais pourquoi le monsieur la trompe encore pour une autre, tout ça, tout ça. Souvent, il y a des comportements que certaines femmes ont qui poussent les gens à aller voir dehors. C'est pas forcément parce que il y a certaines choses qu'ils ont envie d'aller voir dehors, mais c'est ça la réalité et c'est ce que nous allons voir ici. Souvent, il faut apprendre à être humble, quoi, ou encore soumise, ça va vous aider. Maintenant, regardez ça. Waouh! L'histoire se passe juste ici, juste là devant vous. Et la femme qui est juste là au milieu, la fille que vous voyez juste là au milieu ici, là, celle-là, c'est la nouvelle copine du gars. Elle est censée être la nouvelle copine du gars. Et elle, c'est l'ex. Elle arrive, elle voit le gars avec une autre et elle est fâchée. Juste, elle est fâchée. Elle n'a pas pu supporter. Elle veut reprendre son copain. Elle refuse, comment elle veut reprendre, elle essaie de le convaincre d'une manière tellement brutale que vous pouvez pas vous allez pas vous en rendre compte, quoi. Regardez même ici, le gars il tient quoi dans sa main? Il tient de la nourriture. Il tient de la nourriture et regardez. Là, ça a commencé. Et elle veut s'attaquer à la fille, à la nouvelle copine du gars. Et lui, c'est un mec simple. Vous voyez, c'est un mec tranquille. Il n'est pas palable. Mais là, il voit que sa copine a carrément créé un véritable scandale juste là. Il ne sait même pas quoi dire. Il est juste au milieu pour essayer de l'empêcher la bagarre. Et les gens tous essaient de bloquer tout, mais regardez ce que la fille a fait. Regardez. Waouh, elle va carrément renverser la nourriture ainsi que la sauce sur le visage du gars. Juste là, comme ça, devant les gens. Voici un comportement qui est mauvais chez certaines femmes. Très mauvais, vraiment. Et les femmes, quand elles sont fâchées, elles cassent tout à la maison. Elles cassent tout. Tout. Elles parlent à la télévision, elles jettent ça dehors. Ça c'est même quoi? Ça c'est même quoi? Après vous avez dit que c'est le diable. Regardez comment elle vient se comporter. Même ça c'est une façon de se comporter comme ça. Ou bien c'est une manière d'exprimer son amour aussi. Non, il faut arrêter un moment de vie. Regardez. Il est vraiment dépassé parce qu'il voit. Il ne sait même pas quoi faire. Dieu merci, il a gardé son sang-froid. Que va-t-il faire maintenant? Là, on voit maintenant
sa copine, sa nouvelle copine qui va quitter de l'autre côté et venir. Elle va venir. Elle est touchée au plus profond d'elle. Elle a du mal à y croire. Le monsieur regardait le visage. Il est carrément dans la confusion. C'est comme s'il voyait une autre facette de cette fille-là. Ou encore son vrai visage, quoi. Et la fille essaie de venir calmer. Et elle se décharge sur elle. Et le gars, vraiment, il se dit que là, alors là maintenant, il faut arrêter. Là, elle chiffre encore. Regardez. Elle essaie maintenant de lui déchirer le vêtement. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ça, c'est un scandale. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est une histoire. Vraiment, vraiment, vraiment terrible. Moi, ça c'est une chose que j'aime pas. Hein. J'aime pas du tout ça. La manière de garder son sang-froid. Je sais pas si moi-même je vais garder mon sang-froid comme ça. Mais je pense qu'il y a que de bien faire. Il faut garder son sang-froid. Il faut pas lever la main sur une femme. Il m'a tout ce qu'elle a en train de faire. Ah, ça c'est quoi ça? En fait, t'es séparé, tu ne veux pas. Même la fille avec qui il est là, elle vient pour essayer de se séparer. Mais tu veux rien entendre, tu veux même frapper et frapper la fille. Une telle situation, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que peut-être si toi tu avais raison au départ, si tu étais la tutulaire et que tu avais raison, que ton mari, tu as attrapé ton mari avec une autre et que tu t'es comporté ainsi, on va dire que à cause de ton mauvais comportement, tu as perdu carrément la raison. Carrément perdu la raison. Même celle-là même que la tutelle est dehors, elle essaie de venir calmer, essaie de faire non, écouter, mais son affaire, qu'est-ce que ne fais pas ça, nous sommes devant les gens, il faut garder les choses. Non, non, pourquoi il te trompe? Pourquoi il te trompe comme ceci, comme cela? Aïe, aïe, la vie de l'être humain. Quand les gens regardent la télévision et les films, d'amour, ils écoutent des chansons d'amour, ils pensent que se mettre avec une personne, c'est facile. Se mettre avec une personne, c'est comme coller deux esprits. Les deux esprits-là doivent se comprendre, se connecter. C'est ce qu'on appelle se mettre avec une personne. Il faut vraiment faire très attention. J'ai des vrais conseils à vous donner. Moi, c'est ce qui se passe. Parce que j'ai déjà été en couple plusieurs fois, donc je connais exactement ce qui se passe. Parfois, ce qu'on attend des femmes, elles ne peuvent pas nous donner tout ça. La plupart des filles, elles pensent que tout ce que les hommes attendent d'elles, c'est que ce qui se passe sur le lit. Non, on n'a plus besoin de ça. Nous, on veut évoluer, on veut une femme qui va grandir avec nous. Maintenant, on n'épouse plus une femme parce qu'on l'aime. On épouse une femme par rapport à où on peut aller avec elle, jusqu'à où on peut aller avec elle. C'est pas de la blague, mais regardez-vous-même, ça c'est un véritable désordre, qui peut accepter ça, même si c'est vous, regardez, elle essaie de lui déchirer le vêtement, donc ça c'est sa colère qui se manifeste ici, et la fille encore, elle arrive, elle essaie de calmer le jeu, tout ça, et la fille veut se déchaîner encore sur elle, les gens pour dire, quitte-la, est-ce que c'est ton affaire, ça c'est une histoire de couple. Et voici qu'une autre personne tellement énervée par cette affaire va quitter là-bas pour venir. Regardez la femme qui est en blanc, elle revient juste un peu en arrière. Vous allez voir. Hey, voici ce qui se passe. Là maintenant, Dieu a venu faire le palabre de l'autre fille et mettre frein à ça. Au travers de la femme qui va venir. Là, regardez. Regardez. La femme arrive. Elle dit non, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas être toi? Ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas être toi? De peur là, on te regarde, tu penses que ce sont des histoires, c'est de la blague. Et voici maintenant, l'homme veut partir définitivement. Et regardez ce qu'elle va faire. Ça, c'est vraiment le fait le plus marquant de l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Elle va essayer de le retenir, se mettre à genoux devant lui. Tout ça, chose qu'elle aurait dû faire. Depuis le départ, regardez-vous-même.
On ne veut pas le laisser partir maintenant. Dans le fond, tu l'aimes. Mais ton comportement prouve le contraire, André. Regardez, ça c'est vraiment une chose tellement étonnante. Ça m'a tellement marqué que je dis qu'il faut absolument que je vous montre ça. Si vous voulez être soumise, mes soeurs, soyez soumise dès le départ. N'attendez pas là où ça sera fini ou là où ça sera grave pour essayer de faire semblant comme si vous êtes soumise et tout ça, juste pour ne pas que les gens vous regardent d'un mauvais œil. Maintenant, la fille, elle revient. La nouvelle fille, elle revient. Elle veut venir défendre ses droits. Elle dit que tu es son ex. Déjà, tu es son ex, c'est fini entre vous. Pourquoi est-ce que tu veux revenir encore? Là, elle doit se battre pour garder son homme. Regardez. Mais l'homme, ici, a une décision à prendre. Il doit lui-même montrer qu'il veut vraiment se séparer de cette fille pour aller de l'avant avec celle qui le respecte. Donc, il sera obligé de montrer, de faire quelque chose qui va même pousser encore sa nouvelle copine à le soutenir dans sa décision. Et là, sa nouvelle copine est venue et elle l'a tiré. Elle part avec lui. Vous voyez, elle part avec lui. Malgré tout ça, ça n'a pas réussi à retenir la fille. La fille les suit toujours. Et les gens sont sur l'affaire, ils sont en train de filmer ça. Eux n'ont jamais vu ça. Donc, voici une affaire qui va faire le buzz pour eux. Et ils regardent ça jusqu'à ce que un policier, je dis bien, un policier va venir la séparer de l'homme et laisser partir ainsi le jeune avec sa nouvelle femme très soumise. Regardez très bien. Et elle est toujours là. Hein? Elle est toujours là, toujours là. Waouh! Quelle image, je n'ai jamais vu ça. Et la fille est revenue encore, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Voilà. Et le policier est arrivé pour s'interposer. Pour régler le problème, une fois pour toutes. Et elle a dû rebousser chemin. C'est ce qu'on appelle la tentation. Le gars, il était avec la fille, sans doute. Mais la fille ne l'a pas respecté jusqu'à il a décidé de partir. Du coup, elle est de son ex. Maintenant, il a trouvé une bonne fille avec qui il est. Il essaie de voler, tout va bien. Et voici que son ex surgit un bon jour. Pour lui dire, écoute, je t'aime toujours, reviens avec moi, tout ça, tout ça, ça. C'est comme le diable qui revient chez vous pour vous dire, oh, écoutez, je vous aime encore, revenez chez moi, et tout ça, tout ça. Vous devez lutter, pour ne pas tomber dans son piège. Et vous avez vu comment cette nouvelle fille en blanc, là, elle est venue, vous voyez comme cette nouvelle fille en blanc est venue. Elle est venue pour défendre, pour se battre, pour garder son homme. Souvent, les femmes, elles doivent carrément se battre. Pour garder ce qui les appartient, sinon ça risque de partir en l'air. Mais l'homme a une décision à prendre, c'est la décision de l'homme qui va changer le cours de l'histoire. Voilà, il a dit arrière de moi Satan, et dès qu'il a réussi à dire arrière de moi Satan, comme dans la Bible, Satan est parti. Et là, les anges de Dieu sont venus pour défendre Jésus. Dans le désert, le Seigneur Jésus-Christ était là en train de combattre Satan avec la parole de Dieu, non? À un moment donné, quand il a vaincu, il avait dit que les anges de Dieu sont descendus pour le servir. C'est comme ça. Et vous avez vu ça maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Dans la vidéo précédente, on a vu une femme qui se bagarrait dans un centre commercial avec la prétendue femme qui cherche son mari. Ah! Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment le mari qui est venu. Et lui, il doit faire un choix. Et il a montré son choix. Même au travers du comportement de cette fille, tout le monde a compris que, honnêtement, elle ne mérite pas l'homme. Clairement. Voici des comportements que les gens ont. Et ils espèrent garder un mari.
Tu vois, elles sont là tout le temps, elles disent, mon mari me trompe, mon mari me ceci. Ah, c'est vrai, on sait que tu es jolie. Mais il faut revoir un peu ton comportement. Il faut mettre de l'eau dans ton verre. Il faut être humble, tu vois, ça va t'arranger. Lui, il est chez toi tout le temps qu'il doit venir à la maison. Il a des problèmes. Parce que s'il rentre à la maison, ça sera que la bagarre. Tu es une femme querelleuse. Donc, pour ne même pas entrer dans la maison, il préfère rester dans sa voiture. Maintenant, si dans ça, là, il trouve une fille dehors qui l'attrape bien, qui lui dit même, écoute, viens dormir chez moi. Même si tu as dormi dans la deuxième chambre, viens dormir chez moi. Parce que, avec tout ce que tu me racontes, ta femme te bat, ta femme elle te frappe. Parce que la femme te frappe, garçon, hein. La femme te frappe, tout ça. Viens rester chez moi pour ne pas que un jour ça devienne bizarre. La fille qui a bien accueilli là, c'est là qu'il va mettre son cœur. Et il va demander le divorce, il va vous laisser. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. C'est vraiment une histoire qui m'a tellement étonné. Je me suis dit qu'il faut faire une vidéo de qualité. Pourquoi j'ai fait cette vidéo comme ça? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une histoire vraiment qui me touche beaucoup. Et bon. Abonnez-vous à tous les accroches, ne manquez pas la prochaine vidéo. Ceux qui veulent nous soutenir, par le don, allez sur la page d'accueil, vous allez voir me faire un don. C'est parti. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir, en cliquant sur ce bon, vous pouvez aller sur la page d'accueil. Vous allez voir à propos. À propos de la chaîne, ou bien juste en haut de la chaîne, si vous vous trouvez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur. Names Reborn.